Yo tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour le succès. Il nous faut un plus gros vaisseau qui consiste à piloter un pélican et un fantôme dans la mission Nouvelle-Alexandrie. Vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle difficulté et je vous recommande d'être au moins deux joueurs, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. La première étape va être d'aller chercher un pistolet à plasma ainsi qu'un jetpack qui sont soit dans la discothèque, soit dans l'hôpital. Et ensuite on va aller choper un Banshee. Un bon spot, c'est au niveau de la tour à proximité de la discothèque, donc c'est assez facile à faire quand vous avez le jetpack et le pistolet à plasma, à savoir que vous pouvez réaliser cette étape à n'importe quel moment de l'easter egg, mais là je l'avais réalisé au début de la mission. Donc une fois que vous allez activer les trois objectifs principaux, on va se diriger vers cette même tour qui est à côté de la discothèque, et un interrupteur va apparaître quand vous descendez un petit peu sur le côté de la tour et au niveau du plafond. Donc là il vous faut un jetpack pour y accéder. A savoir que si vous n'avez pas chopé de Banshee, vous pouvez le faire à deux comme on le fait ici. Mais si vous avez déjà un Banshee, vous ne pouvez pas abandonner le Banshee sinon il despawn. Donc vous devez garer le Falcon et ensuite aller activer l'interrupteur. Vous pourrez dès lors vous suicider. Respawn sur votre allié qui ira à côté du Falcon et réaliser la suite du trick. La suite de celui-ci, c'est de se diriger au niveau de la grande tour qui a un gros trou au milieu. Et dès que vous allez passer au milieu, celui qui a un Falcon va avoir un Pélican et celui qui a un Banshee va avoir un Phantom. A savoir que vous n'êtes pas obligé de conduire personnellement les deux véhicules, étant donné que si vous avez les deux véhicules à deux joueurs, ça vous compte le succès, donc c'est un des autres avantages d'être deux. Dès lors, la carte n'aura plus de limite pour vous et vous pourrez aller par exemple dans le vaisseau Covenant et voir qu'il y a une espèce de cube bizarre à l'intérieur, ou encore aller très loin hors map et voir les textures moches du décor. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de vous amuser un petit peu une fois l'easter egg réalisé, puisque c'est assez sympa. Voilà. Moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive Halo !